Bonjour, mais me revoilà avec mon petit bélier que j'ai surnommé Robuste et je viens de l'équiper avec ma cloche transparente parce que j'avais un petit doute. Je voyais de pas mal d'air qui sortait, des bulles d'air qui sortaient par le clapet de choc, donc j'avais l'impression que, à juste titre de toute façon, qu'il m'envoyait de l'air dans la cloche et pas loupé, il m'en envoie pas mal et beaucoup trop à mon goût. Parce que ce problème, je l'ai déjà eu avec d'autres béliers, et au bout d'un moment, ben, le bélier s'arrêtait, ouais, il ne fonctionnait plus. Donc là, sur la vidéo, on voit très très bien, grâce à la cloche transparente et les bulles d'air qui rentrent en abondance dans la cloche. Donc je ne me fais pas d'illusions. Dans quelques heures, ma cloche sera vide, il n'y aura plus d'eau dedans. Et lorsqu'on regarde de près, même comme ça, là, à l'heure actuelle, là, au moment où on regarde la vidéo, on voit bien les grosses bulles d'air aussi qui sortent par le clapet. Voilà, ce clapet, c'est une pompe à air. Par contre, le bélier, lui, fonctionne très bien avec un très très bon rendement. J'ai rien à dire là-dessus, mais là, on les voit. Voilà, hop là. Et donc, il me renvoie de l'air dans la cloche. On va voir, parce que ça peut être un avantage. Tout simplement qu'il n'y aurait plus besoin de refaire de niveau d'air dans la cloche de temps en temps, ou d'utiliser un reniflard qui, à mon goût, n'est pas vraiment ce qu'il faut pour un bélier, parce qu'un reniflard se bouge très très vite avec les impuretés. J'ai déjà fait plusieurs essais, pour moi ça fonctionne très très mal. Voilà, c'est pas fiable du tout. Donc on va voir, je vais laisser tourner plusieurs heures, et on va voir ce qui se passe. Parce qu'il a tourné pendant 24 heures avec la cloche en inox et le bélier a très bien fonctionné. Donc le phénomène a dû se produire exactement pareil. Donc il se passe quelque chose quand la cloche est presque vide d'eau. Le bélier ne s'arrête pas, continue à fonctionner. Donc je vais peut-être comprendre pourquoi grâce à cette petite expérience. Voilà, mais il s'est écoulé 4 heures. Ce que j'avais prévu, ma cloche est vide. Mais par contre, ce que j'avais pas prévu du tout, c'est qu'il reste 3 cm d'eau dedans. Donc mon clapet de non-retour est bien recouvert par l'eau. Et le refoulement est à environ 2 cm au-dessus du clapet de non-retour. Et l'eau s'est stabilisée 1 cm au-dessus du refoulement. Ce qui fait que mon bélier continue à fonctionner. Et c'est assez surprenant. Et alors j'ai l'impression que il s'est stabilisé parce que tout simplement comme le niveau d'eau est très proche du refoulement, 1 cm, ben, il y a un petit peu d'air qui arrive à s'échapper par le refoulement. Et ainsi, ça arrive à se stabiliser. La hauteur d'eau reste toujours parfaite dans ma cloche. Très peu, mais c'est bon, ça suffit. Le bélier fonctionne très très bien. Voilà. Donc voilà, je pense que je vais essayer de tirer avantage de ce phénomène. Donc je pense que je vais déjà pouvoir mettre une cloche beaucoup plus petite, ça sert à rien qu'elle soit immense là. Je vais quand même essayer de travailler avec un refoulement un tout petit peu plus haut pour garder un certain niveau d'eau en sécurité quand même dans le fond du bélier, parce que je trouve que là c'est un peu limite quand même. Enfin bon, ça fonctionne. Ben voilà quoi, c'est un inconvénient qui s'est transformé plutôt en avantage, parce que là, on sera jamais obligé d'aller remettre de l'air dans la cloche. Voilà, c'est parfait. Je suis bien content. Bon, alors le phénomène de l'air qui rentre, je pense avoir compris pourquoi aussi. Ben, mon clapet de choc est au ras, même pas au ras, est en dessous du niveau du corps du bélier. Il vient de travailler à peu près dans le milieu du bélier. Et donc, à cause de ça, il envoie de l'air. Je pense que si je mettais un joint d'un centimètre d'épais entre le clapet de choc et le corps du bélier, le phénomène s'arrêterait. D'ailleurs, je vais essayer parce que je viens d'avoir le cœur net. À ce moment-là, je pourrais peut-être diminuer cet apport d'air quand même qui est un peu excessif. C'est à voir. Tout ça peut être intéressant parce que je pense que à l'avenir, je vais vraiment en tirer que des avantages de ce phénomène. Voilà. Bon, mais voilà, je me suis remis au travail pour voir si ce que je pensais était bon, si je m'étais pas trompé, si ma théorie tenait debout. Eh bien oui, voilà,
ça vous fait un petit peu plaisir d'avoir raison. J'ai plus une seule bulle d'air dans ma coche. Mais alors, ça se joue à rien. Voilà ce que je voulais faire, je l'ai fait. J'ai rajouté deux joints entre le corps du bélier et le clapet de choc. C'est-à-dire, ça fait, allez, 5-6 mm de plus qu'avant. Et ça suffit. Voilà. Robuste ne fait plus d'air. J'ai fait des mesures. Il a toujours son rendement identique. Bon, alors ça m'intéresse pas qu'il fasse plus d'air. Donc la prochaine étape, on va lui enlever un joint pour qu'il en fasse peut-être un tout petit peu, juste ce qu'il faut. Et voilà, je suis content de moi parce que j'avais raison. Ça fait plaisir.